Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog. Donc, j'ai décidé un peu sur un coup de tête en me levant ce matin de vous faire un vlog aujourd'hui. Donc, eh bien, c'est ce que je vais faire. C'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc là, je suis arrivée très tôt aux écuries parce qu'aujourd'hui, la journée est très chargée. D'ailleurs, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Mais dans tous les cas, vous avez l'air d'aimer les vidéos longues, donc ça devrait pas poser de soucis. Donc là, ce que je vais faire, c'est que déjà, donc je suis arrivée, j'ai posé mes affaires, je vous ai pris donc pour vous parler. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir déjà tous les chevaux dans les prés des écuries actives, puisque du coup tous mes chevaux sont au pré. Et je vais aller chercher le petit Galloway qui s'est blessé il y a maintenant 3 semaines. Donc il lui reste 1 semaine de repos. Donc il peut rester au pré mais il ne peut pas être travaillé. Et voilà, donc je lui fais ses petits soins tranquillement. La veto va passer dans 2 jours pour voir si on peut reprendre le travail ou pas. Voilà, donc je vais aller lui faire ses soins. Je vais vous mettre, je pense, quelques petites photos vite fait. Je suis toute seule pour filmer là ce matin, donc c'est pour ça que vous n'aurez pas trop d'images que des photos ou des images que je prends toute seule. Mais là, à 10h, non, avant, à 9h, il y a une personne qui arrive pour me filmer avec la caméra, donc ça va être beaucoup plus simple. Et du coup, à partir de 9h, je pourrai faire les séances. Bon, Monsieur Gala a été adorable pour faire les soins, donc là je vous reprends, on est avec Sunrise, donc je vais l'emmener faire une petite balade en main, c'est un truc qu'on fait très souvent parce que c'est une jument qui a besoin de beaucoup sortir, même si elle est au pré, donc elle peut se dépenser, mais c'est vraiment une jument qui a besoin de vider ses gaz beaucoup trop régulièrement à mon goût, donc bon, on apprend à gérer, mais parfois c'est compliqué. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous filmer ça parce que je serai toute seule. Et Sunrise, je pense que ça va la saouler que je sois pas 100% avec elle. Donc, je vous reprends juste après la balade avec la personne qui va me filmer pour eh bien, commencer les séances avec les chevaux. Donc là, ce matin, j'ai prévu notamment de travailler Glorious, que vous ne connaissez pas, que vous apprendrez à connaître, Shining et Euphoria, j'aimerais bien, mais au pire je la travaillerai cet après-midi, puisque cet après-midi et ce midi, je vais partir monter Bingo, que vous ne connaissez pas non plus, enfin bref, voilà, c'est parti. Bon, ce qui est cool, c'est que l'avantage d'être ici avec les écuries actives, c'est que les chevaux, ils sont sans cesse au pré. Donc, ça fait beaucoup moins de boulot déjà de base. Ils peuvent se dépenser eux-mêmes. Donc, ça, c'est cool parce que c'est vrai qu'avant, il fallait tous les sortir au paddock, etc. Donc, bon, c'était beaucoup plus de boulot. Mais là, franchement, c'est vraiment bien. Et ce qui fait gagner un temps de fou aussi et de l'argent aussi maintenant, c'est que, enfin dans le sens où il n'y a pas besoin d'embaucher quelqu'un, c'est que les écuries actives, du coup, il y a la distribution de grains, donc qui se fait avec des robots, on va appeler ça comme ça, qui distribuent du coup eux-mêmes le grain et c'est des chevaux qui se régulent, enfin... C'est vraiment sympa. Bon, après, ça fait un peu plus de boulot quand on a des nouveaux chevaux. C'est vrai que comme on est des écuries qui prennent des pensions au travail, c'est un peu plus compliqué. Puisque du coup, il faut que chaque nouveau cheval, déjà, soit acclimaté à un troupeau.
et qu'ils comprennent en fait le principe. Donc, faut un temps d'adaptation et expliquer un peu au cheval, etc. Mais globalement, ils comprennent assez vite, donc c'est ça qui est cool. Donc là, je vais chercher donc Glorious et eh bien, je vais vous montrer la petite séance qu'on fait avec lui. Alors là, l'objectif, ça va être de le remonter tout seul. Donc, il a fait beaucoup de progrès depuis, mais c'est vrai que quand il est arrivé, en fait, il était beaucoup avec Sisa, donc une autre jument qui est en contrat travail. Donc, Glorious, d'ailleurs, je ne vous l'ai pas présenté, c'est un petit cheval de selle américain qui a une dizaine d'années et il est ici en contrat travail, mais sa présentation est sur mon Instagram. Et du coup, il s'était vachement attaché à Sisa, donc c'était vraiment sa grande copine. Et après, du coup, je l'ai intégré dans le troupeau avec Lemon, et ça s'est très bien passé. Donc, il y a Lemon, Belle Folly, London, et Sisa, il me semble qu'ils sont quatre, je crois, ouais, depuis les changements. Et franchement, ça se passe très bien. C'est un cheval qui est arrivé, il était vraiment vide. Au niveau caractère, enfin, il acceptait tout, mais enfin, ça se voyait que son œil, il n'était pas vif, enfin voilà. Et depuis qu'il a intégré les écuries et surtout ce troupeau-là, il est beaucoup plus vif et on remarque que bah, du coup, il est un peu plus peureux. Donc on travaille là-dessus, mais au début, en fait, on ne pouvait pas l'éloigner des copains. Maintenant, ça va beaucoup mieux. On peut même voyager en van. Alors, il stresse encore un peu, mais franchement... C'est vachement mieux. Je peux même l'emmener en van pour travailler autre part. Par contre, autre problème que j'ai vu pendant une séance, c'est qu'il a très très peur des obstacles. Dans le sens où il arrive dans une carrière ou quoi, où il y a des obstacles, il va charger, péter en l'air et il charge évidemment à l'obstacle. Puisque bah, du coup, il a peur en fait de tout. Donc si on l'emmène devant un obstacle, bah en fait, il charge pour fuir. Donc ça, c'est un truc qu'on va devoir travailler à pied. Mais là, on va pas s'embêter avec tout ça. On va juste faire une petite séance de plat pour revoir un peu ses acquis. C'est un cheval qui a de très bonnes bases dans tout ce qui est dressage. Donc ça, je suis vraiment contente. Et voilà. Get up, 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 get up
Bon, monsieur Loglo a été très très bien. Vous pouvez voir que il fait des trucs de dingue par rapport au temps où il était là. Enfin, vraiment, en une courte durée, il a réussi à faire de grandes choses. Donc là, je vais aller chercher Shining que vous ne connaissez pas bien. On va faire une petite séance que je vais essayer de vous commenter. Donc, je suis sur Monsieur Chainou. Oui, super ça, gros. Alors, je mets le filet, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon, on verra. Alors, mon caméraman qui tourne, ça va être un peu compliqué. Ok, super ça, loulou. Très, très bien. Je vais essayer de pas trop jouer sur le mort pour l'instant. Non. Oh là, Chainou. Oh. Non. Oh. Bon. Je vais descendre. Là, doucement, gros. Oh-oh. Là, oh-oh. Bon, je vais lui mettre le Licoletto et c'est pas grave. Ok. Super ça, loulou. Oh. Oui, très très bien. Alors, et là, j'ai fait l'erreur de pas... Oh. Oui, très bien. C'est dur de vous commenter en même temps. Je sais pas trop ce que ça va donner parce qu'il y a un peu de vent, là. Super ça gros! Oui! Doucement, là! Très très bien! J'ai fait l'erreur de ne pas lui demander la transition à la voix. Non! Oui! Super! Il y a vraiment beaucoup de vent. Ok! Oui! C'est bien! La direction en tout cas, elle est vraiment bien. Et oh! Oh! Super! Ok! Oui, très bien. Ouais, super! Alors, j'ai vraiment beaucoup de mal à vous parler. Ouh. Alors, très très bien, ça loulou! Bon, je vais trotter encore un peu comme ça. Voilà! Les transitions, il les fait vraiment très bien. Oh! Oui, super. Là, c'était un peu rapproché, malheureusement. Vous pouvez voir que ça n'a rien à voir avec ce qu'il était au début. Hein. Vraiment, là, les transitions à l'école, il les passe très bien, sans s'énerver tranquillement. Faut toujours bien se redresser avant et être super calme. Mais sinon, c'est vraiment très bien. Et là, son trot, il précipite pas. Enfin, c'est vraiment beau à voir. Super, ça, gros. Oh, non. Shine. Oh là. Bon, je vais le mobiliser à pied. Voilà, on se retrouve. Donc, j'ai fait un peu de travail à pied. Non, on précipite pas, gros. Et je lui ai remis le filet. Oui. Ok, ça c'est mieux. Oh. Oui. Très très joli ça. Alors, je l'entraîne beaucoup à l'assiette. À la voix, mais là, comme je vous commente, c'est pas terrible. Enfin, je fais mieux sans caméra. Mais bon. Super. Galop. Ouais! Super ça! Oh! Hop, je vais descendre et je vais le féliciter et c'est très bien. Je réenregistre quand même un petit bout de vidéo là pour avec cette image. Donc là, je suis le lendemain, je suis en train de monter la vidéo et en fait, je descends jusqu'après que Shining ait galopé parce qu'en fait, le galop avec son ancienne propriétaire, il l'a pris comme un gros moment de jeu où il donnait des coups de cul, etc. Et du coup, là, le fait qu'il galope dans le calme. Je félicite direct et j'arrête les séances parce que pour l'instant c'est vraiment très dur pour lui. Voilà, je préfère avancer aussi progressivement, c'est-à-dire que le cheval fait peu mais qu'on récompense beaucoup, plutôt qu'il reparte dans ses travers. Et là vous pouvez voir que niveau éducation il est vraiment bien. Alors certes on ne fait pas encore les trois allures et j'ai même pas encore intégré l'obstacle, mais il fait vraiment des progrès de fou. Et aussi vous avez vu un moment où Monsieur Cabre... ça aussi, ça vient de son ancienne propriétaire, en fait, dès qu'elle s'agitait un peu, en fait, elle a voulu lui apprendre le cabré, mais malheureusement, il n'y avait pas de code précis.
Donc dès qu'elle s'agitait un peu, en fait, Shining, il faisait le cabré et elle félicitait, alors que c'était pas forcément ce qu'elle voulait. Donc maintenant, dès qu'il est un peu stressé ou quoi, il cabre pour que l'exercice, en fait, s'arrête. Et là, comme il était un peu stressé, le fait que je joue un petit peu dans le mort, il comprenait pas et du coup il a cabré, il pensait que c'était la bonne réponse, sauf que bah non. Du coup, je suis repassée en l'école. Là, après l'image que vous venez de voir, après la montée en l'école, je l'ai remobilisé à pied parce qu'il commençait un peu à chauffer. Ensuite, je suis remontée dessus, mais cette fois-ci avec le filet. Et ça s'est beaucoup mieux passé, donc voilà. C'était une séance assez courte, mais très riche en émotions pour lui. Donc là, je vais aller manger, mais avant d'aller manger, il faut que je me rende aux écuries où il y a Bingo, puisque je vais manger là-bas. Je me suis pris un petit sandwich que je vais manger là-bas, et après je vais monter Bingo. Alors je pense qu'on va prendre le van pour aller dans des écuries à côté pour sauter un peu, parce que ce samedi, on est en concours de Hunter. Voilà. On est au concours de Hunter d'ailleurs aux écuries. Voilà, donc je vais vous mettre quelques petites images de la séance, je pense, et de la préparation de Monsieur Bingo. Alors j'ai totalement oublié, mais du coup vous ne le connaissez pas en fait. Donc Bingo, c'est le cheval d'une amie que je monte, donc un peu comme Katniss. Donc c'est le cheval que je monte et que je sors en concours. Voilà, on a déjà fait un CSO ensemble, on a fini deuxième, donc vraiment très bien, sur une vingtaine de partants je crois. Et là du coup on a un Hunter, et voilà, c'est parce que mon amie s'est fait opérer, donc elle peut plus monter à cheval avant un petit moment, donc je monte son cheval pour le remettre un peu en route en fait. You said that you've been lonely, makes you cold as ice. Hard to get to know me, but better than the lies. No way I'd let you slip by. No way. Alors là, donc je viens de rentrer aux écuries. Alors, fallait que je passe chercher des trucs pour manger ce soir, mais en fait c'est bon, donc j'ai pas besoin de faire ça. Par contre, du coup, j'ai le temps là. Je pense que je vais monter un petit peu Euphoria. Je sais pas si je vais vous mettre des images, enfin, je pense que vous aurez quelques petites photos et c'est tout. Voilà, et après, si j'ai le temps, je remonterai un autre cheval, mais c'est pas sûr parce que faut que je parte tôt des écuries pour voir un peu. Enfin, j'ai des petits trucs à faire. Donc, bon, je vais monter Euphoria, je vous laisse avec des petites images.
Oui, parce que madame est débourrée depuis peu aux trois allures, donc on va commencer le travail sérieux prochainement. Bon, eh bien, comme prévu, je suis de nouveau toute seule. La personne qui m'a filmée vient de partir. Et du coup, je vais vous faire l'outro de cette vidéo, puisque là, il n'y a plus rien d'intéressant dans ma journée. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous refaire des vlogs, mais cette fois-ci avec mes colocs d'écurie. Je pense notamment à Hortense ou des personnes de l'écu concours. Enfin, voilà. Des vlogs avec d'autres gens, c'est vrai que ça fait longtemps que j'en ai pas fait pour vous filmer un peu une vidéo parce que là c'est vrai que vous n'avez pas vu mes colocs alors que bah on est dans la même écurie, mais c'est juste qu'on a des emplois du temps très différents. Et puis là du coup j'ai été aux écuries que ce matin et en fin d'après-midi, mais normalement j'y suis toute la journée donc forcément on se croise. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et donc eh bien on se retrouve pour la prochaine. Bye tout le monde!